tout de suite. Fais rentrer dans la maison. Tu te calmes. Tu te calmes. Liv, c'est toi, c'est toi, Liv. C'est Liv. Appelle tes parents. Calme-toi, Liv. Allez, ça va aller. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la forêt? Henri et Maud arrivent. Ils sont pas loin. Ils disent qu'elle a peur de la maison, qu'elle a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Liv, tu entends? Tes parents arrivent. Oh merde, regarde sa bouche. Merde. Liv, Liv. Fais chier. Elle s'est coupée la langue. On dirait une morsure. Qui t'a fait ça? C'est sûr qu'il t'a fait ça. Liv, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis remontée immédiatement. Elle est griffée de partout. Regardez, c'est bleu. C'est le chien. Ou alors elle est tombée quelque part. Ma chérie, c'est quoi tout ce sang? Oh non. Liv. Oh, dis-moi qui te fait ça. Quelqu'un est entré dans la maison? Pourquoi t'as sauté? Tu aurais pu te tuer, ma chérie. Bon, allez, on y va. Allez, viens. J'ai rien fait. Je suis là. Maman. Merci, maman. Laissez-moi, maman. Allez, on y va. Okay. Allez, on monte. Maman est fatiguée. On se dépêche. Tu sais qui c'est? Tu les connais? Ah, bonjour. Bonjour. Allez-y, entrez. Maud, Niamh, descendez les filles. Venez voir qui est là. Ça va bien? Mettez-vous à l'aise. Merci. Vous voulez un thé? Ok, d'accord. Oui, je veux bien. Alors, vous avez réussi à vous en mettre? Vous avez l'air d'avoir tellement peur. Et cette blessure? Je sais plus quoi penser. Je vais demander conseil à un ami de Galway, un psy. Salut, Niamh. Alors, comment tu te sens? On voulait voir comment tu allais. Tu dis bonjour, Niamh. Il faut que tu t'entraînes à parler, ma chérie. Bonjour. Que ça va? 2 ans, ça suffit pas. Je suis désolée, on n'a pas pu être là. Je sais que Marie adorait Henri. C'était son docteur préféré. J'espère qu'elle finira par se sentir bien dans cette maison. Une étagère est tombée hier. C'était ma faute, j'avais du mal à la monter, mais... Elle pense que les choses bougent.
Ici, le vieux parquet craque, c'est normal. Elle a oublié ce que c'était de vivre à la campagne. Si elle ne s'habitue pas, j'ai peur qu'on déménage. Quitte à retourner en ville, ce serait dommage. Après seulement un mois passé dans cette maison, mais c'est comme ça. En attendant, on va refaire sa chambre. Et la laisser la décorer à son goût cette fois. Elle se sentira peut-être mieux ensuite. J'ai aussi coupé les branches qu'il y avait devant sa fenêtre. Elles projetaient des ombres sur les murs. On a fait pareil pour les nôtres. Ça leur filait une sacrée trouille, mais vous lui laissez une veilleuse pour la nuit? On vient juste d'en acheter une ce matin. Ça ne vous manque pas de ne plus vivre en ville? La clientèle est moins riche par ici. Non, j'en avais marre de tout ça. La campagne, c'est vraiment mieux pour les enfants. Ça suffit, Clive, laisse-le tranquille. Combien de fois on te l'a dit, bon sang? Je suis désolée. Nive est toujours très jalouse de son petit frère. Elle ne lui veut pas de mal, mais les enfants ne se rendent pas toujours compte à quel point ils peuvent être violents. Tu es toujours un peu fatiguée. Tu n'as qu'à aller en haut te reposer, ma puce. Je monte te voir, d'accord? J'ai entendu un gros sifflement dans mon oreille. C'est bon, c'est parti maintenant. Il faut qu'on se dépêche, les enfants doivent nous attendre. Tout va bien. Tu peux nous faire confiance. Un petit sourire à maman. Et un bisou du soir.
a crié? C'était quoi ce bruit? Nim! Qu'est-ce que tu fais? Ramène ton petit frère ici tout de suite! Moi, Joseph, Niamh, regarde-moi. Kieran ! Sa poitrine a été comprimée pendant trop longtemps. Il est mort asphyxié. Mais pas par la fumée, le placard les a protégés. Elle le serrait tellement fort qu'elle aurait pu... Physiquement, je crois pas qu'elle pourrait faire ça. Elle dit que la maison est devenue folle.
pauvre gosse, elle se souvient plus du tout des agresseurs. Il faudrait qu'elle puisse rester ici pendant l'enquête. Mais je sais pas à qui je pourrais la confier. Lui trouver une famille d'accueil, ça prend du temps. On peut la prendre. Ouais, bien sûr. D'accord. Ça pourrait être long. Ce serait vraiment mieux qu'elle reprenne l'école à la prochaine rentrée pour ne pas prendre de retard. Vous inquiétez pas, on peut la garder le temps qu'il faut. On a une chambre de libre. D'accord. En tout cas, pour l'instant, ça sera plus simple. C'est très gentil à vous. Si vous remarquez quoi que ce soit, dites-le nous. Faut que j'y aille. Je n'ai pas son dossier médical. C'est son père qui devait s'en occuper. Je ne m'explique pas toutes ces cicatrices. Quand elle était petite, elle a eu un accident quand elle vivait ici. Elle était un peu casse-cou. J'imagine que ça n'a pas dû beaucoup changer. Et la semaine dernière, elle s'est coupée la lampe. Après, elle s'est échappée de chez elle. Est-ce que cette nuit, elle a été battue? Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous le dire. Elle a subi un choc, alors... Ne soyez pas surpris si elle semble renfermée ou difficile. Ne pleure pas. Pas devant elle. Oh. Oh. Nat ? Ça va. C'est passé. C'est bon maintenant, ça va. Je m'appelle Tania. Je suis l'assistante sociale de l'école et je suis venue ici pour t'aider. Reste juste avec nous jusqu'à ce que la situation s'améliore, on est bien d'accord. Fais attention de ne pas trop t'attacher, ok? Tu sais que je dis ça pour ton bien. Ça va? Tu aimes ta nouvelle chambre? Une autre petite fille vivait ici avant, mais elle est partie. Mais on pourra en parler une autre fois si tu veux. Tu as essayé tes nouveaux vêtements, ils te plaisent? Tu veux qu'on aille en acheter d'autres? Tu veux aller prendre une douche? Non. Ok, bon. C'est pas grave. Le dîner sera prêt dans une bonne heure. Si tu veux, tu peux aller dehors prendre un peu l'air.
Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je regarde juste par la fenêtre. Tu veux un peu d'eau? Tu dormais pas? Je sais pas, non. Dis-moi si tu as trop chaud ou trop froid, ou si tu as besoin d'une autre couverture, d'accord? Tu peux venir dormir avec nous si tu as peur. Ou je peux venir dormir avec toi si tu préfères. Ok, bon, bonne nuit alors. Ce fut une longue guerre. On ne se battait pas comme aujourd'hui. Regardez les armes. Alors, comment appelle-t-on cette longue lame munie d'une poignée? Vous voyez ce soldat debout juste au centre de l'image? Ne t'inquiète pas, Annie. Tu as seulement manqué quelques jours. Tu rattraperas le retard facilement. Ça n'a pas encore sonné. C'est une grande épée. Une épée. D'accord? Bon, passons à la page suivante. Je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on mange ensemble de temps en temps. Que toutes les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Alors comment ça se passe avec tes camarades? Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Je sais pas. Et est-ce que tout se passe comme tu veux avec Nat et Lucas? Et avec Ryan et Lucie, tu t'entends bien? Tu es toujours très triste, c'est normal. Tu as envie de parler de tes parents et de ton petit frère? Pas forcément de ce qui s'est passé, on peut parler d'avant, de tes souvenirs. Est-ce que je t'ai raconté la fois où j'ai mangé tout le caviar que mes parents avaient réservé pour un grand dîner? Tu sais ce que c'est, le caviar?
Ça va, ma puce? Il y a un problème? Ils sont bêtes. Hein? Quand j'aurai fini avec eux, je te donnerai un bain, mais toute seule. Lucas est rentré à la maison? Ça suffit, vous deux, sortez maintenant. Tu sais, il faudrait vraiment que tu te laves. Je t'ai laissé des serviettes et du savon, mais tu n'y as même pas touché. Ça fait trop longtemps maintenant, ça peut plus durer. Il faut que tu te laves, tu m'entends? Allez les petits démons, tête en arrière, sinon ça va piquer. Je suis vraiment désolée, mais c'est n'importe quoi. Allez, sors de ce bain. Lève-toi, allez. Niv, aide-moi. Niv, reprise, se sont déjà baignées dedans. Et en plus, elle est froide. Tu te sentiras mieux après, tu verras. Tourne-toi, laisse-moi faire. T'inquiète pas, tu vois, on fait comme ça. Tu te souviens maintenant, non? Je me suis fait mal avec ce foutu. Pardon. Non! Non! Ça va, c'est juste un courant d'air. C'est juste un vêtement qui est tombé. Tout va bien, d'accord? Y a rien à craindre. T'inquiète pas. Ils n'ont rien. Rien du tout, même pas un indice. Niv, tu as discuté avec Joseph aujourd'hui au commissariat, non? Non, il est venu à l'école. Ce qu'il veut, c'est punir ceux qui ont tué tes parents et détruit ta maison, tu comprends? C'est pour ça qu'il insiste tant. Est-ce que tu comprends? Pour que ça n'arrive plus jamais. Je l'ai déjà dit, c'est à cause de la maison. Je me disais qu'on pourrait peut-être appeler ta tante, celle qui vit aux États-Unis. Ça te dirait de la voir ou de lui parler? Ma ceinture me gêne. Un dépassant de mon pantalon a lâché et ma ceinture remonte. Ça gratte. Il y a un mec à l'école qui a cru que t'étais ma sœur qui serait revenue. Ryan! Ma sœur Marie qui est morte. Vous étiez amis avant. C'est ton père qui l'a soignée, elle avait un cancer. Fini, 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 fini! J'ai plus faim! J'ai plus faim! Lucie, s'il te plaît. Hé, hey, rends-moi mon robot! Allez, rends-moi! Ryan, ça suffit! Si à 10 vous n'êtes pas à table, je vous jure que c'est direct au lit. 1. 2, 3, 4, 5, Nat, il n'y a plus de bière. 6, 7. Je vais en chercher une. Les enfants, vous venez avec moi chercher une bouteille? Oui, viens, 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 viens. Tu veux voir la troupe? Mais c'est vrai. Mais si, t'as toujours la troupe. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On a eu une autre fille, mais elle est morte. On ne t'a rien dit, c'était il y a longtemps. C'est la vie. On ne voulait pas t'embêter, c'est tout.
passe. Je vais rallumer, calmez-vous, calmez-vous. C'est pas grave, pleure pas. Niamh ? Tranquille, je vais mettre les petits au lit et je reviens tout de suite, ok? Pardon. On n'a qu'à acheter tout ce qui pourrait les blesser, on s'occupera du reste demain, ok? Nat, c'est impossible. Tu te rends compte de ce qu'elle a fait? C'est pas pareil pour Ryan ou Lucie. Ils se sont cognés partout, ils ont eu peur. Ils se sont blessés tout seuls. Mais elle... Pourquoi elle a... Comment veux-tu que je sache, Lucas? Tu crois pas qu'elle a eu peur des cris et des bruits qui venaient de la cave? Peut-être que ça lui a rappelé cette nuit-là. Et je viens d'aller dans sa chambre, elle était terrorisée, comme si j'allais... On doit parler à Tania tout de suite, ceci n'est pas normal. Lucas, on peut pas abandonner à la première difficulté. Elle est traumatisée, tu sais. On verra demain, d'accord? Dégage!
dehors avec moi. Tu peux nous aider, s'il te plaît, nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous. Jenny prendra les petits à l'école. Ne vous inquiétez pas. Niamh n'a pas vu Peter et Emily. Mais ils ont disparu. J'en sais pas davantage. C'est sûrement une coïncidence. J'en suis pas sûr. Plusieurs empreintes d'enfants ont été trouvées dans la maison. Celle de Niamh aussi. Ça ne prouve rien du tout. Elle aurait pu les laisser n'importe quand. Quoi ? Vous croyez quoi ? Qu'elle aurait pu massacrer une famille entière ? On n'a pas dit ça, Nat. Mais le fait est que les circonstances des meurtres sont vraiment similaires. Et elle s'est échappée de chez vous au même moment. Et alors ? Elle se souvient même plus de qui a tué ses parents. Je sais pas, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Mais les enfants se laissent facilement influencer. Et ces gens, ces meurtriers, elle les connaît peut-être. Il se pourrait qu'elle obéisse à leurs ordres, je sais pas moi. Quoi ? Lucas, dis quelque chose enfin. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on l'éloigne pendant un moment. Vous savez, tout se sait ici. Les gens sont superstitieux, ils commencent à penser certaines choses. Non, elle doit quand même aller à l'école, comme tout le monde. On ne peut pas écouter les gens qui racontent n'importe quoi. On va pas faire ça quand même. Si personne l'aide, elle s'en sortira pas. Et ta fille, elle a le même âge que Niamh, non ?
Elle fête son anniversaire la semaine prochaine. Pourquoi tu l'inviterais pas? Ça vous arrangeait bien avant que Niamh habite ici et qu'Henri puisse s'occuper de votre fille quand elle était petite. Les gens se protègent et protègent aussi leurs enfants. C'est tout. Personne ne te laissera tomber, Nat, ok? Je repasserai demain. Mais je vous demanderai juste une chose. Surveillez-la bien. Elle ne doit pas sortir ou dormir seule. Il ne faut pas qu'on la retrouve dans la rue. Espèces animales dans le monde. L'homme a mis des millénaires pour en apprivoiser seulement quelques-unes. Pourquoi? Pourquoi certaines espèces s'apprivoisent-elles plus facilement que d'autres? Le professeur Kogan a peut-être une réponse. Depuis toujours, l'homme utilise l'animal en priorité afin de suppléer un manque de force ou de rendement. Je crois beaucoup au fait que les animaux communiquent entre eux et que certains se méfient de l'homme pour ces raisons. Ce serait donc par peur d'être exploité. Est-ce que ça va? Soit si difficile à apprivoiser. Oui. Le professeur Monet a une toute autre analyse de ce rapport homme-animal. Dans son dernier livre, Mon animal à moi, elle expose une théorie très novatrice. Tu ne vas pas dehors? Si. Ici. Allez, arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce que tu Allez, fais? Vous restez pas là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Kevin. Pourquoi êtes-vous si méchant? Vous allez au fond. Niamh, attends. Niamh. Allez les enfants. Retournez. Attends deux secondes. Je veux que tu invites Niamh pour ta fête d'anniversaire, non, c'est non, d'accord non, s'il te plaît. C'est comme ça. Ça va aller. Je vais aller voir Niamh, d'accord? Je peux pas la laisser toute seule, vous comprenez? Elle n'a personne. Toi, tu as papa et maman. D'accord. Alors? D'accord. C'est bien. Allez, un petit effort. Niamh, tu veux pas retourner en classe avec moi? En fait, je fête mon anniversaire samedi prochain et tu peux venir. T'inquiète, ma mère t'expliquera. Reste concentré, s'il vous plaît.
faut sortir d'ici. Rassieds-toi, Nive. Ça va bientôt sonner, je vais venir te voir. Arrive. Je vais demander à quelqu'un de nous amener deux plats au repas et on pourra déjeuner dans mon bureau. Juste nous deux, d'accord? Est-ce que ça va? C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Je peux faire bouger les objets quand je pleure et... C'est comme ça que j'ai tué mes parents. Peter, Emily et leur mère. Nive, qu'est-ce que tu racontes, mon ange? Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas ta faute si tout cela est arrivé. Allez, viens. On va manger. Comment ça se passe chez Nat et Lucas? Ils sont cool avec toi? N'arrête pas de me parler. Ou de m'embrasser. Ou de me faire des sourires. Et les sourires, tu n'aimes pas ça? C'est plutôt gentil de sourire. C'est vrai, ça dépend en fait. Mais je crois qu'on sent facilement si un sourire est sincère ou non, tu crois pas? J'ai entendu dire que tu étais invitée à la fête d'anniversaire d'Anna samedi. C'est chouette. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Moi aussi j'allais à des goûters d'anniversaire quand j'avais ton âge. Bon, je t'ai déjà raconté celui où il y avait un gros chien, mais il y en a eu plein d'autres. Tu veux le toucher? Salut. Vous vous connaissez déjà, non? Mais peut-être que tu ignores que Matthew est aussi le père de mon bébé. Eh oui.
Il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Elle a été agressée la nuit des premiers meurtres. On ne sait même pas. Peut-être par cette bande. Je ne sais pas. Je me demande si ça ne remonte pas plus loin. Je ne sais pas si ses parents l'avaient violée cette nuit-là, ou même avant. Elle a tous les symptômes d'une enfant maltraitée. Regarde la mère de Peter et Emily. C'est étrange, cette coïncidence. Essaie de ne plus y penser pour l'instant, d'accord? Pour notre bien et celui du bébé. Je passe te prendre après la classe, ok? Faut que j'y aille. À plus tard. T'es à l'école aujourd'hui? On a parlé de Peter et d'Emily et de leur mère. On nous a dit de rester ensemble et de dire si on voyait des inconnus. On ne doit pas aller dans la forêt. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, mon cœur, ça durera pas. Tenez, vous n'avez pas eu beaucoup de bonbons aujourd'hui. Tiens. Allez, je vais vous lire une histoire et après, au lit. Une histoire de meurtre? Je ne pense pas, mon chéri. Est-ce que tu veux autre chose? Je vais aller dans ma chambre pour lire. Oh, Niamh. Arrête de me repousser, ma chérie. On ne s'entendra jamais si tu nous traites toujours en ennemis. Niamh, mon petit chat. Tu peux lire en bas avec nous? Je sais que ça ressemble à un cauchemar, mais un jour tout ira bien mieux, je te le jure. Fais-nous confiance. Arrête, Niamh, s'il te plaît! Tu vas réveiller Ryan et Lucie. C'est juste pour cette nuit, on peut pas te laisser dormir toute seule. C'est très dangereux de se promener comme ça la nuit à la campagne. Chut. Niamh, arrête ça! Arrête! Arrête de crier! Niamh, s'il te plaît, arrête! Tu m'entends? Niamh! Oh, je suis désolée. Je suis désolée, ma puce. Je voulais juste que tu arrêtes de crier. Tu comprends que tu dors, enfin. Juste que tu sois un peu gentil. Non, non, Niamh, qu'est-ce que tu fais? Nat. Elle dormira dans sa chambre et je resterai avec elle. C'est juste pour cette nuit. Je bloquerai la fenêtre demain. Allez, viens avec moi, Niamh. Allez, il faut dormir. Il est tard. Fabrique, bon sang! Où tu as eu ça?
Je suis allée les prendre dans l'album en bas. Je les aime bien. De quel droit tu as fait ça? Pour qui tu te prends, hein? Elles sont à nous, ces photos, pas à toi! Je t'interdis d'y toucher! Lucas, qu'est-ce qui te prend? T'es dingue! Elle a pris ça, elle s'amuse avec. Va les voir, je vais rester ici. Nive, tu peux me dire pourquoi tu voulais les garder? C'est notre fille, elle s'appelait Marie. Elle était très malade, tu te souviens, je t'en ai parlé. Pourquoi tu as voulu les montrer à Lucas? Ça nous a fait beaucoup de peine, on l'aimait tellement. Alors pourquoi elle est morte? Enfin, Nive, ce n'était pas notre faute. Elle était gravement malade, on n'a rien pu y faire. On l'aimait et ça n'avait rien à voir avec sa maladie. Essaie de dormir un peu, d'accord? Les enfants sont dans le jardin, tu peux les rejoindre. Tiens. J'ai fait tout le magasin, c'était la plus belle. Alors, elle te plaît? Anna adore les poupées parties, tu en as déjà fait? Non. Je préférais rentrer, s'il te plaît. Je veux pas rester ici. Oh, mais on peut pas rentrer à la maison maintenant, chérie. Ça serait pas très gentil pour Anna. Et je suis sûre que vous allez jouer à plein d'autres jeux. Et il y aura des gâteaux, des cadeaux. Je crois même que Colette a organisé une chasse au trésor. Allez, prends-la, je serai juste à côté. Salut! Salut! Elle s'appelle comment ta poupée? Amusez-vous bien, les filles. Et appelez-moi quand vous aurez un petit creux. Oh là là, elle est méchante. Elle est une pissée. Toi, tu sais pour moi. T'avais qu'à pas avoir de mauvaises notes. Je ne pas ça. Elles ont l'air de bien s'amuser. Oui, je crois que c'était une bonne idée. Je ne suis pas vraiment sûre qu'elles viennent. Ouais. Olivia n'arrête pas de faire l'imbécile à l'école. On dirait qu'elle est cette copie Anna. Si tu continues, tu seras punie avec Olivia. Ne refais jamais ça, d'accord? Qu'est-ce que je vais lui faire? Oh non, c'est horrible. Et Nive, ça va? Tu veux voir un truc? Je peux voir ta poupée, elle est super mignonne. Elle est trop moche en rose, c'est pourri. Elle devrait être bleue plutôt. Elle est pas du tout mignonne, je la trouve moche en fait. La mienne est folle, je dois toujours lui dire quoi faire. Debout, coucher, debout, coucher. Elle est trop moche et grasse. C'est encore ton oreille? Ah!
aller voir Gwendoline, ça doit être des acouphènes. Je vais chercher son numéro, bouge pas. D'accord. J'en ai pour une seconde. Elles disent n'importe quoi. On a laissé des bougies allumées sur la table. C'est notre faute. Tu crois vraiment que Niamh en serait capable? Moi, je vois pas d'autre explication. Non, je veux pas appeler Lucas. Il garde les petits et je la retrouverai moi-même. Thank you.
même peur. Yves, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à toi et à ton frère ? Qu'est-ce qui se passe ici, enfin ? Qu'est-ce que vous foutez ? Réponds-moi ! Réponds-moi, Liv ! Réponds-moi !
Doucement. N'aie pas peur, allez. Laisse-moi faire, d'accord? Tu vois, c'est pas chaud du tout. Vous êtes fatigué. Vous avez faim. S'il vous plaît, soyez gentil. Papa et maman sont fatigués eux aussi. Tu as demandé aux enfants ce qu'ils ont dit à l'école ? Non, pas encore. Il va falloir qu'on les punisse. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut faire pour eux. Autrefois, les gens ne se mêlaient pas de l'éducation scolaire. Et maintenant, tout le monde donne son avis.